Approche, toi qui tends l'oreille. Écoute, toi qui te poses un instant pour rêver. Écoute l'histoire de ce violon virtuose qui avait tout pour être heureux et vivait en paisible harmonie dans un royaume où tous et toutes ne vibraient que par et pour lui. Papa, c'est quoi un archet ? Un genre d'artiste qui passe ses journées à faire de la musique. Je peux essayer ? Bah les pattes, je te dis ! Calembour ! Qu'est-ce que je t'ai dit ? Calembour ! Bah les pattes ! La magie éclatante d'une immense toile d'araignée brillant dans le soleil le sortit de ses pensées. Quelques mouches s'y étaient prises et agitaient le piège de fil.
il se mit à déchiffrer les notes qu'elle formait sur la toile comme sur une partition. Avec ma corde toute distendue, je n'arrive pas à jouer. Et il me manque une cheville pour l'accorder. La fille aînée attrapa un nœud de bois qui traînait par terre. Elle le planta sans ménagement dans la coquille de violino. Paré de sa nouvelle cheville de bois brut, il avait l'air amusé de ressembler à un pirate et proposa à Pernambouc de l'initier aux joies de la musique. D'inquiétude, chemin de souche, incertitude, quoi que l'on touche. Chant de lichen, la tendre muse, chant des pollens, les âmes confuses. Le cœur est pur et la main rude, le chant rassure, vaillant prélude. Au collectage, prêtons les mains, lianes et feuillages sur les chemins. Demain, chez eux, hôtes entières, ragoûts de houx, bonne litière. Nuit d'émeraude au cœur des mousses, la peur renaude et la joie glousse. Si de concert brillent les âmes, en joie prospère les heures se trament. Thank you.
Violino, loin de là dans son monde, sentit que quelque chose changeait. Soudainement, comprimé, compressé, tout son être craqua de haut en bas. La lumière se solidifia. Les filaments bleus électriques des étoiles étaient devenus tranchants comme le verre et le lacéraient. Violino suffoquait de chaleur contre les parois resserrées de cet espace devenu une prison. Je suis là avec Violino qui s'est fait mal. De quoi? Tu fais quoi, espèce de bon à rien? Descends de là tout de suite! Violino, délaissé par son guide, sentit que son corps tout entier se refroidissait et se transformait en pierre. Pris d'une violente angoisse, il poussa un cri tellement puissant qu'il fit voler en éclats toute la matière qui le retenait prisonnier. Pernambouc! Violino pleura encore. Mais ses larmes avaient le goût du bonheur qui l'envahissait. Et il se mit à traduire tout ce qui l'environnait. La fête dura une grande partie de la nuit, mais les tremblements réguliers de la terre et les plaintes lointaines qui se mêlaient au son joyeux de la fête parlaient aux instincts de chacun. Bien avant le jour, il faudrait que Violino soit parti.